Bonjour, je suis très content de vous parler de la journée des dictionnaires qui va bientôt arriver. Ce sera le mercredi 20 mars. Bon, elle est, comme vous le savez, sous la houlette de mon université, de Cergy, maintenant Paris-Seine, mais aussi de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, et puis bien sûr de l'Alliance française où on l'installe à la fondation de l'Alliance française dans son grand théâtre. Alors vous y êtes invité, il y a de la place. Quel est le thème? Alors chaque année c'est un thème différent. On a eu dictionnaire et patois, et l'an dernier c'était dictionnaire et femmes, on a eu dictionnaire et littérature, dictionnaire et sciences. Cette année c'est dictionnaire et noms propres. Alors les noms propres, ce n'est pas les noms bien propres, c'est ces noms qui sont tantôt des anthroponymes, des noms de personnes, tantôt des toponymes, des noms de lieux, et dans les dictionnaires, ils sont très présents, même dans les noms communs, puisque des noms propres donnent aussi des noms communs. Et bien sûr, avec des maisons comme Larousse ou Robert, eh bien, on a toujours une partie réservée au nom propre. Alors, ce qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est que chaque année, j'essaie de rassembler toutes les forces qui peuvent en parler le mieux possible. Et ça va de gens qui font partie des commissions de terminologie, qui sont présidents des commissions de toponymie, par exemple. Donc, ça, c'est très important. Il y aura deux personnes qui vont en parler. Ça va des juristes, parce que là, ça pose un problème de juriste. Quel nom donner aux communes, quand ce nom est-il officiel, comment les traduire aussi, hein, et on aura aussi ce problème de la traduction. Il y a aussi les côtés un peu amusants, les aptonymes, ces noms qui fait que vous appelez Monsieur Boulanger et vous êtes pâtissier. Bon, et mine de rien, ça a une certaine influence aussi. Et puis, il y a nécessairement l'informatique, représentée d'ailleurs par un consultant de l'Académie française, qui vient de lancer le portail numérique, qui est formidable, et qui a une réflexion très solide sur la numérisation. Et donc, on aura vraiment des sujets très divers qui vont nous permettre de cerner au mieux ce qu'est le problème des noms propres dans les dictionnaires. Alors, ça me fait penser à des citations que j'avais rassemblées naguère dans un dictionnaire, et je vais essayer de les retrouver. Une citation de Pierre Bayle, hein, c'était dans le dictionnaire universel, évidemment, de Furetière qui citait Pierre Bayle, un dictionnaire est un de ces livres qui peuvent être améliorés à l'infini. Alors je trouve ça formidable. Et puis Pierre Richelet, le tout premier dictionnaire de la langue française, on le doit, monolingue, on le doit à Richelet, qui disait, un homme seul ne saurait tout voir, un dictionnaire est l'ouvrage de tout le monde, il ne se peut même faire que peu à peu et qu'avec bien du temps, avec bien des journées de dictionnaire. Vous y êtes invité, je me réjouis de vous y retrouver.